commencé notre aventure avec Eva au début de l'année 2015. De notre côté, on avait déjà un peu exploré le répertoire de la sonate en trio française 17 et 18e siècle. Et puis, on a eu envie un peu d'ouvrir le groupe au répertoire de la cantate française et donc du travail avec chanteur. Et très vite, on a tous pensé à Eva parce qu'on la connaissait d'univers différents, enfin de rencontres diverses. Mais voilà, on avait tous eu énormément de plaisir à travailler avec elle. Et donc, on s'est lancé dans ce projet de cantate française qu'on a pu en partie donc développer à Vézelay. Sorte, c'est une osmose, une facilité qui est quand même vraiment rare dans le travail. Il y a une écoute, ce sont tous d'excellents musiciens individuellement et l'osmose qui se fait entre eux, c'est vraiment se mettre dans un bain chaud, quoi. La cantate française est une sorte de mini-opéra et vient d'ailleurs historiquement un peu dans la prolongation de l'opéra qui était un tout petit peu moins en vogue au début du 18e et les Français avaient envie quelque part d'un genre un peu plus intimiste, un peu plus chambriste, mais avec toujours ce travail sur la théâtralité et donc sur la dramaturgie, les affects baroques et... Et c'est vrai que dans la cantate, finalement, c'est une forme assez dense qui regroupe un peu tous les aspects que l'on retrouve dans l'opéra, les arias da capo, les récitatifs. Et dans ce travail-là, c'est vrai qu'on a eu envie, avec Eva et le Taylor Consort, de développer un programme autour des héroïnes tragiques. Puisque Eva a la présence et le charisme et quelque part la sensibilité pour interpréter ces rôles de femmes parfois désespérées, très en colère, trahies.